Les Pays-Bas. C'est avec cet adversaire de renom que les Bleus vont débuter le 5 mars leur préparation pour la Coupe du Monde 2014. Également qualifiés pour la phase finale au Brésil, les Néerlandais ont littéralement survolé le groupe D en qualification avec un bilan impressionnant. 10 matchs pour 9 victoires et 1 nul, personne n'a fait mieux dans la zone Europe. Avec 35 buts marqués pour seulement 5 encaissés, les Oranges possèdent la meilleure différence de buts des 9 poules éliminatoires. Finaliste de la dernière Coupe du Monde, l'équipe s'appuie sur les joueurs d'expérience, mais a su également injecter du sang neuf dans ses rangs, dans le domaine défensif principalement. La première menace sera sans conteste Robin Van Persie. L'ancien canonnier a inscrit 6 buts en 9 rencontres dans ses éliminatoires. Autour de lui, le pouvoir offensif hollandais n'est plus à présenter. Avec Arjen Robben, vainqueur de la dernière Ligue des Champions aux côtés de Franck Ribéry, ou encore Raphaël van der Vaart, de retour à son meilleur niveau depuis son transfert à Hambourg. Sans oublier des joueurs comme Wesley Sneijder et les jeunes qui arrivent, à l'image de Jeremy Lenz, 25 ans, attaquant du Dynamo Kiev, auteur de 5 buts dans ses qualifications. Pour diriger cette sélection, la fédération a de nouveau fait appel à un homme d'expérience et à la réputation solide, Louis van Gaal, un entraîneur au pédigré impressionnant. Le natif d'Amsterdam a dirigé des formations comme l'Ajax ou Alkmaar dans son pays, avant d'exporter ses compétences au FC Barcelone et au Bayern de Munich. C'est d'ailleurs sa deuxième nomination à la tête des Pays-Bas, après un premier bail en 2000-2002. Une chose est sûre, ce rendez-vous du mercredi 5 mars au Stade de France sera plus qu'un simple match amical de reprise. Pour les Bleus, il s'agira de se jauger face à l'une des meilleures nations du continent, qui aura soif de revanche et envie de montrer que son élimination au premier tour de l'Euro 2012 était indigne de son rang.